Salut, aujourd'hui tu t'apprêtes à embarquer pour une mission direction Encelade, un monde qui contient un océan et peut-être de nombreuses surprises propices à la vie. Si tu es nouveau par ici, bienvenue, je m'appelle Corentin et si explorer l'espace simplement c'est ton délire, eh bien abonne-toi juste en dessous et rejoins-nous. Maintenant en route pour notre expédition, laisse-moi juste démarrer le moteur de notre véhicule. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ami Cassini, dont je t'ai déjà parlé dans les vidéos sur Titan et Saturne. Mais pour ceux qui auraient loupé un épisode, je récapépète rapidement. Cassini, c'est une sonde lancée en 1997 pour explorer le système saturnien. Et bah ça pour le coup, c'était rapide. Elle a effectué plusieurs fly-by d'Encelade, des vols qui passent près de la Lune pour se rediriger vers une autre trajectoire. Encelade fait à vue de nez environ 500 km de diamètre, c'est-à-dire 7 fois moins que la Lune et 10 fois moins que sa cousine Titan. Lors de l'un de ses vols, notre cher Cassini, armé de son plus beau Polaroid, a pris ses quelques clichés. Les scientifiques repèrent alors des traces blanches assez étranges. Tellement étrange même qu'ils ont cru d'abord à un dysfonctionnement de l'appareil photo. Mais que nenni ! On se calme, Godfrey Montmirail, là. Ce sont en fait des geysers géants qui s'échappent de la surface de son glacé. Ils proviennent du pôle sud de la planète et font en moyenne 130 km de longueur sur 2 km de largeur. En analysant la température de ce satellite, les scientifiques se sont rendus compte que le pôle sud, et plus particulièrement les Tiger Stripes, était bien plus chaud que le reste de la surface, ce qui indiquerait une source d'énergie en profondeur. Un peu étrange, non? C'est comme si tu allais au pôle Nord pour bronzer pendant tes vacances. Mais revenons à nos geysers, ceux-ci s'étendent sur des centaines de kilomètres dans l'espace et projettent de l'eau glacée à 400 mètres par seconde. Une partie de ces éléments retombe alors sur Encelade, la recouvrant d'un épais manteau de neige brillante et blanche. Alors que le reste est pris en orbite autour de Saturne, participant alors activement à la création de l'anneau E. Ce sont des tonnes et des tonnes de glace qui sont injectées dans cette structure. Toute cette eau provient d'un océan salé et relativement chaud, caché en dessous de la surface à l'abri de la lumière du soleil. L'un des modèles les plus populaires pour expliquer sa présence est le suivant. L'attraction de Saturne tirant plus ou moins sur une partie de la Lune selon son orbite, cela crée de l'énergie de par le mouvement de la matière, ce qui crée également de la chaleur. Assez de chaleur donc pour garder tout ce petit monde liquide. A noter que cet océan contient aussi de l'ammoniac, ce qui permet d'abaisser la température nécessaire à l'eau pour fondre, jusqu'à environ moins 103 degrés Celsius. Mais dans toute cette histoire, c'est surtout la composition de cette eau qui est étonnante. Dans quelques instants, nous allons nous approcher plus proche de ces panaches de glace. Mais d'abord, si tu apprécies le voyage jusqu'ici, n'hésite pas à laisser un petit j'aime en dessous de la vidéo pour permettre à d'autres d'y participer. Et pour l'instant, dans la confrontation Titan versus Encelade, laquelle des deux lunes préfères-tu? Réponds maintenant au haut à droite de la vidéo et laisse-moi un commentaire à la fin pour voir si ton avis a changé. Nous suivons maintenant Cassini à la trace. Celle-ci s'apprête à effectuer son dernier vol au-dessus d'Encelade, dans une manœuvre très risquée passant seulement 5 km au-dessus de la Lune. Elle va ainsi récolter des échantillons de cette eau en passant directement à travers les geysers. Et là, ce sont des résultats absolument fascinants qui ressortent de cette acrobatie de l'espace. L'eau provenant d'Encelade contient des traces d'hydrogène, de dioxyde de carbone et d'autres éléments organiques. Waouh, c'est tellement incroyable. Je dis incroyable, ça fait beaucoup de fois incroyable. Car la présence d'éléments comme l'hydrogène prouve qu'Encelade a une activité géologique et chimique. Mais surtout parce que c'est basiquement de la nourriture pour microbes. Sur Terre, l'hydrogène se forme notamment lorsque de l'eau chaude circule sous de la roche. Elle réagit alors avec les minéraux contenus dans celle-ci, puis ce nouvel élément s'échappe par des cheminées hydrothermales, permettant un environnement foisonnant de vie. Sur Terre, ces organismes n'ont pas besoin de l'énergie du soleil pour apparaître et prospérer, car ils profitent de l'énergie chimique créée par ces conduits hydrothermales. Et les données récupérées par Cassini pointent vers l'existence de ce genre de conduits sous-marins sur Encelade. Il y aura alors une minuscule chance que la vie se soit développée un peu comme elle l'a fait sur Terre. Il pourrait donc s'agir de microbes ou d'organismes plus développés. Bien entendu, jusqu'à ce qu'une mission dédiée aille confirmer ou infirmer la présence de la vie sur Encelade, nous ne sommes sûrs de rien. Mais ça n'empêche pas de rêver. Car le fait que la vie puisse se développer dans un environnement caché du soleil ouvre le champ des possibilités à toutes ces lunes près des géantes gazeuses, tellement éloignées dans notre système solaire qu'elles ne profitent que très faiblement de notre étoile. Et je te jure que si dans 20 ans on trouve des crevettes sur Encelade, je fais une énorme fiesta. Même si j'aime pas trop les crevettes. Mais il n'y a pas qu'Encelade de prometteur en termes de recherche de vie extraterrestre. Sa cousine Titan est elle aussi incroyable avec ses lacs de méthane liquide et son paysage presque terrestre. Et tous ces mondes n'existeraient pas sans leur mère, la géante et magnifique Saturne. Si tu as apprécié cette vidéo, abonne-toi juste en dessous et clique sur la petite cloche pour ne pas rater notre prochaine aventure. Et rejoins-moi sur Instagram pour encore plus de contenu. Sur ce, c'était un plaisir. Bisous.